Bonjour, je vous remercie de me rejoindre pour ce témoignage donc, concernant ma deuxième NDE. Donc, merci pour vos commentaires et tous vos messages aussi privés. Ça me fait chaud au cœur. Je voulais juste aussi vous témoigner ma solidarité aussi pour ceux qui ont des épreuves un peu compliquées ou qui ont vécu des choses aussi un peu inexpliquées comme moi. Donc voilà, alors ce témoignage en effet... c'est juste mon expérience, mon vécu. Je cherche à convaincre personne et c'est en aucun cas pour promouvoir telle ou telle religion, quoi que ce soit. Ça n'a absolument aucun rapport. Voilà, donc si ça ne vous parle pas, je vous invite à quitter cette vidéo. Et puis si vous avez envie de savoir un petit peu plus sur ce que moi j'ai traversé, eh bien, écoutez, je vous laisse après libre arbitre de décider si ça vous fait écho ou pas. Hein. Voilà. En tout cas, donc la première NDE, je l'ai racontée, c'est vrai, avec beaucoup d'émotion parce que c'est pas facile de se livrer. Et pourquoi je le fais? Je le fais juste parce que tout ça, je ne veux pas le garder pour moi. Je vais passer comme beaucoup passent. Voilà, on dit que dans 100 ans, plus personne n'aura une trace de notre passage ici, parce que tous ceux qui nous ont connus ne seront plus. Donc je veux juste faire un témoignage pour, voilà, pour juste évacuer aussi tout ce que j'ai gardé enfoui au fond de moi. Alors mes proches sont au courant, j'ai souhaité faire un livre pour raconter aussi ces 3 NDE, donc je pense que ça viendra. Parce que ça fait du bien aussi de pouvoir passer à autre chose et puis de témoigner pour pouvoir voilà, raconter son histoire et de dire à ceux ou à celles qui ont aussi traversé ça qu'ils ou qu'elles ne sont pas seules. Voilà. Je vous invite à aller voir aussi donc, des écrits et des récits faits et très bien racontés par différents experts. Vous avez Monsieur Maudy, donc Maudy, qui est très connu, je vous mettrai le nom et les liens si vous voulez en bas de la vidéo. Vous avez également Joe Dispenza qui explique très très bien les limites entre la neuroscience et la part d'inconnu qui est en nous pour aller explorer aux frontières de la dimension physique tout ce qui est d'ordre complètement énergétique et pour se rapprocher de ce qu'on pourrait considérer comme une matrice, comme un... la source, on dit souvent, la source, on emploie cette expression-là, donc c'est plutôt voilà, ce qui est à l'origine de tout. Moi, je l'ai rencontré, donc je vais vous expliquer. En tout cas, je crois que c'est ça, hein, parce que franchement, si c'est pas ça... vu que j'ai fait 3 NDE, donc la première, je voulais raconter, c'était mon accident de voiture, où donc j'ai été comme happé de la voiture, d'une manière inexpliquée, j'étais hors temps, hors dimension, hors de mon corps, et je suis sortie indemne d'un accident dans lequel j'ai... je me suis retrouvée avec une voiture complètement brisée en 1000 morceaux, avec 9 tonneaux à plus de 100 km/h et en fracassant 3 poteaux en béton. Bah ouais, faut faire les choses bien quand on les fait quand même. Donc voilà, où j'ai vu et eu un contact avec des entités, en tout cas des énergies, voilà, des énergies... inexpliquée, dont une qui est pour moi en tout cas celle de ma maman qui m'a quittée quand j'avais 11 ans, que j'explique dans la vidéo. Voilà. Donc pour cette deuxième NDE, ce qui s'est passé, c'est qu'on était en soirée avec des amis et donc on était plutôt dans une soirée tranquille, hein. C'était un petit comité voilà, à domicile, on n'était pas dans une méga soirée dans un lieu public, c'était un lieu privé, donc chez un ami, et c'était plutôt soirée pizza, voilà, pizza, boisson légèrement alcoolisée à peine, et à boire avec modération évidemment,
mais vraiment pas du tout cette ambiance d'aller se mettre la tête à l'envers, mais plutôt de partager un bon moment. Et lors de cette soirée, donc moi je les ai rejoints, j'étais pas forcément fatiguée ni super exaltée, enfin j'étais plutôt dans une émotion plutôt neutre, à être heureuse d'être là, juste être là quoi, voilà. À l'époque où ont eu lieu les faits, on était dans une ambiance oui chaleureuse, enfin vraiment c'était quelque chose, c'était une soirée qui se déroulait vraiment très bien. Il y avait en effet autour de nous peut-être deux ou trois personnes qui consommaient ou fumaient en tout cas des substances qui n'étaient pas forcément autorisées, je l'avoue. Voilà, c'est des choses qu'on teste peut-être bêtement quand on est jeune ou pas. En tout cas, il y avait. Donc voilà. Et donc, ce qui m'est arrivé, c'est que à un moment dans la soirée, j'ai commencé à avoir la tête qui tourne pour une raison que j'explique pas. Peut-être effectivement ces vapeurs de fumée. Peut-être, je sais pas. Peut-être la trop de fumée dans la pièce, j'ai du mal à respirer, en tout cas pas très bien. Pour la parenthèse, j'avais, parce que je ne l'ai plus, parce que ça peut disparaître, la preuve, j'avais un mauvais souffle cardiaque. Mauvais souffle cardiaque que je raconterai dans la NDE numéro 3, puisque c'est avec ce cœur qui m'a fait faux bond, une troisième fois, que j'ai fait ma troisième NDE. Donc, j'essaie de sourire parce que on m'a dit aussi que dans la vidéo 1, j'étais quand même un peu stressée. C'est pas faux, c'est pas faux, mais c'est pas simple non plus hein, de se raconter comme ça. Donc, je reviens dans l'instant, je suis en train de manger et d'un seul coup, je me sens pas très bien. Voilà, je me lève du canapé sur lequel il y avait un apéro, on était en train de manger, il y avait un apéro dînatoire, je me lève pas bien, histoire d'aller prendre l'air peut-être aussi, je commence à vaciller, je sens que mes pieds me portent plus, je suis en train de tomber, hein, de tomber, mon corps me porte plus, tout simplement. Et là, à ce moment-là, je m'approche du lit qui était au fond de la pièce et je m'écroule littéralement, mais dans un poids qui ferait rebondir le matelas. Alors que je suis quand même pas très grande, je suis pas d'une corpulence avec un surpoids ou avec avec un poids qui laisserait prétendre que le matelas puisse rebondir à ce point quand on fait tomber une charge d'environ 50 kilos quoi. Tout habillé, je précise, 50 kilos tout habillé, c'est l'expression. Donc voilà, donc je m'écroule comme une masse et à ce moment-là, j'ai pas entendu de bourdonnement. Vous savez, parfois on entend un bourdonnement quand on fait, pour celles ou ceux qui ont déjà fait des malaises vagales, on entend un peu un bourdonnement, on sent que ça va arriver, on sent que le malaise arrive. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on se... pour ceux qui ont l'habitude, hein, malheureusement ça arrive, on se prépare, c'est-à-dire qu'on se dit allez, on essaye de se mettre dans une position, on va allonger les jambes pour avoir un peu les jambes en hauteur pour pouvoir faire redescendre le sang, enfin là tout ça on oublie, hein. Il n'y a pas eu le temps. Moi je suis vraiment tombée comme une masse pour m'écrouler comme ça et du coup à ce moment-là, ça a été rapide, mais comme ça, c'est pas un quart de seconde parce que ça n'existe pas, en tout cas dans la dimension dans laquelle je me suis retrouvée.
mais quasiment d'une manière instantanée, je me suis sentie en dehors de ce corps-là, donc de cette enveloppe de chair-là. Je me suis sentie complètement dissociée et comme éjectée, en fait, comme si on était en train d'enlever d'un seul coup sa veste et puis qu'on la jette. On est éjecté en fait du véhicule. J'appelle ça un véhicule parce qu'au final, c'est notre corps qui nous transporte dans les endroits au quotidien, donc dans notre vie de tous les jours. C'est lui qui nous aide à se mouvoir. La bouche nous aide à sortir les sons, les yeux à voir, les mains à s'exprimer ou à saisir tout ce dont on aurait besoin. Et puis nos petites jambes, ou les grandes, hein, en tout cas, à nous déplacer d'un point A à un point B. Et là, autant vous dire que ce petit corps-là, j'en ai vraiment rien à faire. J'ai pas de ressentiment pour cette enveloppe de chair que j'aperçois allongée. Mais en fait, je l'aperçois comme si on apercevait depuis un télescope au fond. Très très loin. Vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de regarder les étoiles avec des lentilles télescopiques, on voit une petite petit point. Mais je le voyais très loin, ce corps-là, et j'entendais, je discernais des silhouettes et j'entendais des bruits, mais pas audibles. Alors quand je vous dis, j'entendais et je voyais, j'étais un peu comme au plafond. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui racontent qu'ils sont en haut, mais moi je n'avais pas cette sensation de paroi. Pour moi, le plafond n'existe pas à ce moment-là. Je suis vraiment sans plafond. Il n'y a pas de matière qui va me bloquer pour avancer ou me déplacer dans cet espace-là. Je suis vraiment je n'ai pas de mots, je suis pas quelque chose, je suis une présence. Je suis une présence, je vois. Alors j'ai pas de corps, j'ai pas mes yeux, je vois pas mes mains, mais j'ai l'impression d'être. Vous savez, c'est comme si je mets mes mains dans le dos, ou je mets les mains le long du corps. Je ressens que j'ai les mains, mais je les vois pas, vous voyez? C'est pas évident. C'est pas évident à décrire comme sensation, mais c'est comme si, voilà. Comme quand on se regarde dans le miroir le matin, on voit notre visage, mais quand on ne regarde pas dans un miroir, ça ne nous empêche pas de voir, et pourtant on a un visage quand même. Donc là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on voit, mais on n'a pas de visage, on sait qu'on sait. Et ça, c'est une grande nuance, on sait, on sait. On sait qu'on a des mains, on sait qu'on a pas un véhicule pour se déplacer, mais qu'on a la possibilité de se déplacer à souhait. Et on n'a pas de questions à ce niveau-là. Ça n'est quelque chose qui nous pose même pas questionnement. On n'est pas du tout dans cette interrogation-là. Moi, j'ai eu très peur. Là, j'ai eu très peur parce que à ce moment précis, quand je vous dis ça, je suis encore en train de regarder ce corps qui est là, qui est là, qui est allongé, qui bouge pas. Qui est en train de comment de changer de couleur, je vous le dis pour l'évolution des choses, il est en train de changer de couleur, c'est-à-dire qu'il est en train de devenir tellement blanc qu'il est en train de devenir un peu bleuté quand même. Moi, je ressens pas. Je ressens pas que ce corps est en train d'abandonner ses fonctions. Pour lesquels il a été conçu au départ, c'est-à-dire de me porter dans cette vie, mais il est en train d'abandonner, il est en train de me laisser tomber ce corps-là. Donc moi, je ne le sais pas, mais je m'en fiche. J'avance dans un espace qui est noir, j'avance dans un espace où je ne vois rien, je sens qu'autour de moi, il y a l'infini, j'ai peur, je sais pas où je suis, je sens que je suis quelque part. Et là, par contre, je me dis, je vous jure que c'est vrai,
Mais je vous jure que c'est vrai, je me dis, puisque je pense, je suis. Je ne sais pas où je la sors, celle-là, hein, d'accord? Mais je vous jure que c'est vrai. Je me suis dit, puisque je pense, je suis. Donc, je suis encore quelque part, je suis encore quelque chose, puisque je pense. Donc, je raisonne. Donc, le je prend toute son importance dans cette dimension aussi, et est dans ce moment-là. Et il est encore plus fort, ce je, que quand il est dans mon corps. Voilà. J'ai vraiment l'impression d'une totale expansion de moi. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai pas de frontières. C'est-à-dire que mes yeux peuvent tout voir. Alors là, oui, je suis dans le noir. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que au fur et à mesure, j'avance et j'ai pas vu de point. Enfin, j'ai vu un tout petit. Je sais même pas si c'est si je sais même pas si je l'ai vu parce qu'en fin de compte je pense plus que j'ai su et je l'ai ressenti comme un appel vers un point qui était devant moi que je voyais pas sur le moment, mais le temps de m'y rendre j'étais déjà dedans, c'est-à-dire j'étais dans un espace lumineux hors temps. Le temps n'existe pas. La pensée encombrante n'existe pas. L'esprit a quitté la coque. Il est comme libéré, délivré. Je ne reviendrai plus jamais. L'esprit qui mouline tout le temps et qui est tout le temps en train de nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, de penser à tout. C'est parti. On est libre et libéré de cet esprit. On est libéré de cette matière et on est pure conscience. Je ne peux pas vous le dire autrement. On est conscient de ce qui est. On est conscient d'être rentré à la maison. Moi, c'est la sensation que ça m'a fait. Je vais essayer d'accélérer parce que la vidéo, j'ai peur de ne pas avoir le temps de tout vous dire. Mais j'ai eu l'impression de rentrer à la maison, d'être comme chez moi. J'étais bien. J'étais au bon endroit, au bon moment. Le temps n'existe pas. On fait partie d'un tout. Je me sens à la fois le vent, je me sens à la fois l'espace, je me sens connectée à une goutte d'eau, je me sens connectée à la petite fourmi qui est au fond, je me sens connectée à l'oiseau qui vole, je me sens faire partie de tout. C'est comme si vous étiez en train d'arracher une pâquerette et que d'un seul coup, cette pâquerette, c'est moi aussi. Vous êtes en train de caresser votre chat, c'est moi aussi. Vous êtes en train de... je sais pas, de changer la roue de votre voiture, c'est aussi moi qui est avec vous pour changer la roue de la voiture. Superwoman. On fait partie de tout. On fait partie de tout. Alors par contre, on a un ressenti en fait de tout, tout l'espace. On ressent tout ce qui est autour de nous. On n'a pas besoin de voir avec les yeux. On ressent avec le cœur. C'est pas une phrase toute faite. Je vous jure que c'est vrai. On ressent comme si d'un seul coup ça nous apparaît comme une évidence. On ressent que tout est au bon endroit, on est à la bonne place. Et on est juste à ce moment-là, dans un amour inconditionnel. J'en ai déjà parlé dans la vidéo 1, mais comme je sortais en plus quelques années avant, donc ça, il s'est passé 5 ans entre l'accident et la NDE 2, comme je sortais déjà d'un état un petit peu love de tout le monde, parce que j'étais prise d'affection et d'amour pour tout ce qui est autour de moi, du crapaud en passant par le chat, l'inconnu dans la rue. Autant vous dire que quand je suis dans cette ambiance-là, c'est vraiment comme on est comme dans un cocon, ben en fait, je suis à pur amour. Je suis pur amour, il n'y a pas d'autres sentiments, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Par contre, ce qui est troublant, c'est que vous avez autour de vous une seule force. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. Vous le savez, dans la vidéo 1, je vous avais expliqué que j'avais autour de moi des silhouettes blanches, que j'avais comme une reconnaissance, en effet, de ma maman à ce moment-là, que j'avais appelée avant d'avoir l'accident. Là, j'ai pas de silhouette, j'ai pas d'êtres chers qui sont venus vers moi. J'ai une seule forte présence qui inonde l'espace
quand je vous dis l'espace, j'ai l'impression d'avoir été visiter toutes les. J'ai l'impression d'avoir été visiter tout l'intérieur des fruits de chaque arbre de la planète, d'avoir été dans chacune des. En une fraction de seconde. J'ai l'impression que j'ai passé 1000 ans et que il s'est passé. Oui, je vous dis que le temps n'existe pas, mais on n'arrive pas à quantifier. Tellement c'est. J'ai l'impression que ça a duré une éternité. Vous savez, quand on parle d'éternité, bah, j'ai l'impression que c'est ça. J'étais à la fois sur une plage, un grain de sable. J'ai été à la fois dans les grottes, voir les petits insectes, s'il y en a, dans chacun des cailloux. J'étais dans chaque vibration de la terre. J'étais dans chaque graine qui pousse. J'ai été faire tout, tout et tout ça. Et j'étais partout en même temps. Ben, on est partout, en fait. Et ça, en un temps que je n'arrive pas à vous décrire. J'ai l'impression d'avoir passé une éternité. Et j'étais bien. Parce qu'en fait, on n'a pas de soucis. On ne pense pas. On ressent juste le plein amour de tout. On vibre comme si on était sur un... comme si on était sur une corde vocale quand on est en train de chanter quelque chose. C'est une vibration d'amour. On est un son. On est une émotion. On est... C'est dingue, c'est dingue. Bon, par contre, ça n'a pas duré parce qu'ils m'ont renvoyé chez moi, enfin dans mon chez moi de celui-là, donc de ce corps-là. Hein. Comment ça s'est passé? Bah, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je vous jure que j'étais vraiment bien, une béatitude extraordinaire, extraordinaire. Et j'ai entendu au fond de l'espace. Alors je sais pas comment faire autrement pour vous dire ça. Une voix qui a eu hurlé mon prénom, hurlé, et ma sœur était présente à cette soirée. Et ma petite sœur, qui a 5 ans moins que moi, était au-dessus de ce corps-là, qui était commencé à devenir violet. Donc en réalité, il avait pu. Il commençait à être temps de revenir parce que c'est qu'il y avait encore des choses à faire et pas la laisser tomber. Excusez-moi, j'ai un peu d'émotion à raconter ça. Donc du coup, c'est sa voix qui m'a ramenée. C'est sa voix qui m'a ramenée et je vous ai expliqué dans ma vidéo 1 que j'avais peut-être une mission quelque part. Et ma sœur, à ce moment-là, ne le savait pas, mais elle aura une petite fille dans plusieurs années qui aura eu la gorge obstruée par un aliment et que j'aurais réussi à dégager. Donc peut-être que je devais rentrer pour ça. En tout cas, c'est elle qui m'a rappelé, parce que ça m'a appelé dans les tripes, c'est-à-dire que j'ai pas reçu un ordre de rentrer, j'ai reçu l'amour. En fait, elle m'a tiré, elle m'a extirpé de cet endroit-là, et j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu de voix qui m'a dit « c'est pas ton heure ». Par contre, j'ai eu un son qui m'a dit « oh ». Comme si c'était go, c'était fort, c'était presque rauque au fond, et en fait c'est le son de la vitesse à laquelle mon corps est revenu, ma conscience, je mélange pas les mots, que ma conscience est revenue habiter ce corps-là. Et comment ça s'est passé? Je suis rentrée. Je pense que c'est par le nombril, alors beaucoup disent par la fontanelle, comme on dit, alors donc le troisième œil, voilà, on rentrerait par le haut. Bah, moi, je suis rentrée par le bas. En tout cas, pour moi, j'ai eu l'impression de rentrer par le ventre. Peut-être que je suis revenue par le haut, mais en tout cas, la sensation que j'ai eue, c'est la sensation de venir au monde. J'ai eu le flash d'un bébé qui est en train d'être dans un... J'étais un embryon, d'un seul coup, enfin non, un embryon. J'étais, oui, je suis passée du stade d'embryon à nouveau-né, prêt à sortir du ventre de sa mère. Et je me suis retrouvée dans une, dans la poche d'eau, je pense, enfin dans le liquide au moment de sortir. Et je suis sortie, comme si, d'un seul coup, en fait, comme si j'avais eu une accélération du temps et j'avais revécu ma naissance. Et je me suis retrouvée à réinstaller dans ce corps-là, sauf que le problème... C'est que ça, là, bah, c'est trop petit. Parce que quand vous revenez d'un endroit où vous avez tout l'espace,
que il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrière entre le dur, la matière n'existe pas. Mais quand on est forcé d'être dedans, mais c'est une torture. J'ai mis 3 semaines. J'ai mis 3 semaines à réussir à remettre mon doigt. Donc en fait, c'était ce petit doigt, il était dans ce doigt. C'est comme si on était dans des gants et j'avais enfilé le mauvais doigt. Donc du coup, il a fallu que je me concentre pour réussir à remettre ce doigt-là dans cette... l'énergie, en tout cas, dire à mon corps que, ou à mon enveloppe, de réintégrer en fait ce doigt. Parce que j'avais 2 doigts dans un seul doigt. Comme si on enfilait un gant, mais qu'on s'était trompé en mettant les 2 doigts dans un seul. C'est horrible. J'ai vomi à mon réveil. Donc je suis sortie, ma soeur a hurlé parce qu'elle a cru que j'étais morte et finalement je revenais. Donc double effet, je ne vous raconte pas dans quel état elle a été pendant plusieurs semaines. J'ai vomi alors que j'avais à peine mangé, mais j'ai vomi comme si j'avais mangé pendant 15 jours plein d'aliments. Ça ne s'arrêtait plus. Je sentais dans chacun de mes membres le fluide du sang et de l'air passer. Et mes poumons étaient tellement durs, la cage thoracique était trop serrée, j'arrivais pas à respirer, j'étais en train de suffoquer. C'est comme si on devait réapprendre d'un seul coup à respirer, à parler, contrainte, on est obligé de faire. Et l'air, quand elle passe dans le corps, elle fait mal, le sang fait mal. On a l'impression que tout se réactive, tout le corps se réactive. C'est dingue. C'est dingue. Je suis restée dans un amour inconditionnel pendant des mois, voire presque des années. Je suis connectée une dimension qui dépasse celle de la matière. Donc, quand je vous dis si vous voulez aller faire un petit tour du côté de Joe Dispenza, il en parle très très bien. C'est un peu un état de méditation où on arrive à transcender en fait toute l'énergie et à n'être plus une personne, ne plus être à un endroit, ne plus être une personne, ne plus penser, ne plus appartenir à rien et ne plus être un corps, ne plus être personne. Je réussis à me recentrer sur ces états émotionnels-là et ces ressentis-là, parce que c'est du ressentiment. Et je m'en approche de plus en plus quand je suis dans des endroits neutres. La forêt, la nature est neutre. Les émotions ne vibrent pas. Ils absorbent les noirceurs de notre âme et de notre souffrance en tant qu'humain, dans notre incarnation. Mais ils ne surréagissent pas. La nature, vous pouvez aller contre un arbre, vous pouvez aller contre passer un moment au coin de votre jardin en pleine méditation, essayer de faire le vide total. Vous serez apaisé. En fait, on est dans un état de paix où on arrive à calmer le mental. Il est complètement éteint. Et on se détache de l'enveloppe que l'on a en essayant de se concentrer au maximum sur le ressenti de ce qui nous entoure. Donc c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on fait partie d'un tout, on est tout en même temps. Alors est-ce que j'ai peur de la mort ? Oui, quand même, parce que j'ai pas été jusqu'au bout de l'autre côté. Alors la troisième N2, je vais vous le raconter dans une autre vidéo, parce qu'on n'a plus de temps. Mais la troisième vidéo, vous allez voir, troisième N2, là maintenant je connais la route. Bon, bah j'ai gagné du temps, hein. Donc je pense que la quatrième sera la bonne. Mais est-ce que j'ai peur? Oui, j'ai un peu peur. En fait, je crois que j'ai plus peur de la façon dont ça pourra se produire quand ça se produira. Mais le basculement entre le moment où on passe de l'autre côté, c'est tellement inquantifiable en chronologie de secondes qu'on ne ressent rien. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de ressentir une douleur quand on passe de l'autre côté. En tout cas, moi, je ne l'ai pas ressenti. C'est mon avis. Ça n'engage que moi. Bien sûr, ça n'engage que moi.
Et puis, le temps de l'autre côté, alors, pour vous donner juste une idée, je suis restée dans cet état-là, apparemment, entre 10 et 15 minutes. Voilà, entre 10 et 15 minutes, j'étais vraiment complètement sans aucune réaction et mon cœur ne battait plus. Et voilà, il y avait aucun signe de vie. Et je vous dis, je commençais à être plus que blanche parce que je commençais à devenir un peu bleue, crise bleue. Voilà. Apparemment, voilà, ça a duré 15 bonnes minutes, oui. Mais de l'autre côté, j'ai eu l'impression que c'était une éternité. Mais une éternité douce, c'est une éternité qu'on n'a pas envie de quitter. Voilà, on n'a pas envie de la quitter. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous partager cette vidéo et puis je vous remercie en tout cas pour tous vos messages bienveillants et prenez bien soin de vous et prenez bien soin de ce corps parce que je me suis quand même rendu compte que bah, il faisait ce qu'il pouvait. Alors de l'intérieur comme de l'extérieur pour nous accompagner au mieux dans notre découverte de cette vie-là. Et puis j'ai compris qu'un seul lien nous reliait tous, c'était vraiment l'amour. Et quand on parle d'inconditionnel, bah, il n'y a pas de condition à ça. Donc on est tous connectés. Et puis c'est même pas une question de le vouloir, c'est comme ça. Voilà, on est connectés. On est aimantés tous à quelque chose qui nous rattache et qui est une source inépuisable, je pense, sans aucun jugement. Aucun. Rien. Absolument pas. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous encore une fois et merci d'avoir regardé cette vidéo.